chercher des formes dans les nuages, ou la mer dans les coquillages, se balader sur les chemins, ne plus penser au lendemain, peindre en couleur des nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter ta concerto, un mot d'amour sur le frigo, si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs, ouvrir un bon Saint-Émilion, chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filantes au mois d'août, allumer le feu, cheminer, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main, se promener, et puis t'embrasser sur le nez, enfin revoir le printemps, et lui offrir un bouquet de fleurs, enfin laisser le temps au temps, chercher midi à 14h, si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. Juste un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs, une petite bulle, vite envolée, cheveux au vent, les évoler, au fond la vie, ce n'est que ça. Un petit tour, et puis s'en va. Thomas Dutronc. Bravo. Les petits bonheurs. Viens, Thomas. Thomas. Merci, Thomas, d'être là. Il n'est jamais trop tard. Dernier album. Rocky Gresset est là, ton complice. Je salue également Julien Bell et Fred Jaillard, que j'aime bien citer toujours les musiciens. Bravo. Alors, bien raison. Les petits bonheurs, c'est formidable. Merci. Les petits bonheurs, ces petites choses de rien. Il faut savoir sentir ces petits moments. Et j'ai lu le texte. Passe, tu l'as lu? Ouvrir un bon Saint-Émilion, chanter des conneries, avoir son chat sur les genoux. Ah oui, allumer, ah oui. Allumer les feux de cheminée. Allumer le feu. Le feu de cheminée. De cheminée. De cheminée. Ah. Pas pareil, assez... Le feu de cheminée. Allumer le feu, virgule, oui. De cheminée. Et puis t'embrasser sur le nez. C'est ça, les petits bonheurs. C'est ça. C'est des petites choses comme ça, tous les jours, on peut embellir le quotidien. J'ai fait ce texte, c'était pendant le confinement, avec des copains, on était, tu sais, en réseau et tout ça. Et c'est vrai qu'on pensait à plein de petites choses qui embellissent la vie comme ça, auxquelles on n'avait plus accès forcément avec ce confinement et tout ça. Et donc, c'est, voilà, c'est parti de là. Mais... Il y a l'horoscope. Enfin, l'horoscope, ça m'a fait penser à ta maman, parce qu'à chaque fois que je la voyais, elle me faisait mon horoscope. Elle était férue d'astrologie. Mais moi, c'est pas en pensant à elle que j'ai fait ça, c'est mon copain de la fac. Je travaille toujours avec des bandes d'amis, j'aime bien. Et c'est ce copain qui s'appelle Antoine Laurin. Je ne sais pas si tu l'as déjà reçu ici, peut-être, parce que c'est devenu... Je l'ai perdu de vue, on était à la fac ensemble, et c'est devenu un auteur à succès, traduit dans 22 langues. La reine Camilla, carrément, l'a cité dans ses 10 auteurs préférés. Et il m'a fait un texte qui s'appelle L'Horoscope, qu'on a un peu travaillé ensemble. Voilà. C'est un album formidable. On a mis du soin, voilà, sur toutes les chansons. Et là, on t'a fait une version, c'est Les Petits Bonheurs, version un petit peu pop, un peu radio, boîte de nuit années 80. Je sais pas pourquoi on a fait ça. La version acoustique est peut-être plus élégante. Je sais pas, on va. Mais tu sais pourquoi tu chantes? Tu sais pourquoi tu chantes? Je chante parce que je chante soir et matin. D'accord. Ah voilà. Voilà, j'étais sous la douche. Je chantais sous la douche. Je me suis dit, c'est quand même dommage de chanter. Alors, tu reviens sur scène à Paris quand? Tu pars en tournée quand? On part en tournée en février avec beaucoup de musiciens parce que. J'adore les musiciens, puis que des bons, là, il y a vraiment une belle équipe. Mmh. On a fait une petite cigale comme ça pour rigoler, mais là, on va monter un spectacle. Ça sera le 15 mai à l'Olympia, puis ça, c'est le début, on va sûrement continuer encore et encore. La dernière grande tournée, c'était avec papa. Et ouais, moment fabuleux.
40 dates, inoubliable. Ouais, c'était des grands moments très forts, une rencontre avec le public. Rocky était là aussi, il y avait super groupe aussi sur scène. Et c'était des moments assez vertigineux pour moi, évidemment. Formidable guitariste. Hein. Oui, oh ben Rocky. Ah oui, là, c'est, il a un niveau. Alors, si tu vas voir la pièce de nos amis, eh bien, à la fin, c'est Oh, la belle vie. La belle vie, oui. De Distel. Ouais. Tu le connais, celui-là, la guitare? Tu as déjà joué une fois ou pas? Et c'est vrai qu'on a pensé que c'était le moment du rendre hommage à Sacha, en pensant d'ailleurs à la pièce. Oui. Rocky Gresset, ton complice. Sans amour, sans souci, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre, et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains des nuits blanches se penche sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi. Monsieur Rocky Gresset. C'est avec nous en tournée. Bravo. Rocky, applaudissez le guitariste. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, il sera avec nous en tournée avec basse-batterie qu'on avait avec mon père, donc des bonnes basse-batterie qui groove comme il faut. Eric Lénini, piano, chef d'orchestre et tout. Ça va groover, lui, il va groover. Thomas Dutronc, Olympia et une tournée formidable. Ah oui. Groove machine, sex machine sur la prochaine. Dis-moi, Thomas, ton album Frenchie, c'est un... carton. Oui, c'est vrai. C'est bah, toi, Frenchy. Oui, parce que des fois, on dit putain, j'ai fait un carton. Ah bon? Bah oui, j'en ai vendu 30, quoi. C'est le carton de 30. Mais... c'est le... Et là, c'est vrai. Que... déjà plus vendu. Enfin, Frenchy. Et là, on a fait plus. Oui. Écoute, on est. Voilà, on n'en parle jamais de ça. On a eu la chance d'avoir Iggy Pop, Diana Krall sur l'album et tout ça. Et ça joue super. Il y a Billy Gibbons aussi, le leader des ZZ Top avec la basse. Oh là là, magnifique. Il n'en parle jamais. C'est dommage. Il est tellement modeste. D'une modestie. Yoon Sun-na aussi, une chanteuse coréenne. On ne le sait pas, ça. Et on a eu. Mais on a fait. Non, on ne sait pas. On a fait un platine quand même, c'était beau. On a fait quand même un platine. Mais on l'a fait pour aller faire des petits clubs, jouer dans le monde et paf, le confinement. Rattrapé par le. Le confinement, boum. Donc on l'a. Après, on est passé au projet avec mon père parce qu'il fallait y aller. Olympia, en mai prochain, et puis la grande tournée. Avant de te dire au revoir, je voudrais te dire que j'ai beaucoup ri souvent avec ta maman, qui avait beaucoup d'humour. Elle n'avait pas la langue dans sa poche. Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit un jour. J'ai dit, Françoise, ça va bien? Tu me regardes un peu le dimanche? Ouais. Et c'est assez moyen. Voilà comment parler sa maman. Hein? C'est pas une enfance facile, contrairement à toi. Je comprends. Et elle aurait été heureuse de ton album. Écoute, malheureusement, elle n'a pas pu l'écouter. Je t'avoue que c'est vrai que sa présence, évidemment, me manque pour plein de choses, beaucoup, mais je n'ai pas envie d'en parler trop parce que j'ai fait tellement d'interviews où je suis venu parler de mes chansons, puis je parlais que de ma mère. Mais avec toi, tu la connaissais tellement bien. Mais j'ai envie de dire qu'en ce moment, quand je présente mon album, elle me manque parce que c'était vraiment. Elle suivait tellement ce que je faisais. C'était vraiment la maman poule, tu vois. Elle était vraiment. Un jour, j'avais même dit. Si j'ai connu ton papa. Elle faisait la moyenne avec mon père qui suivait. Oui, terrible. regarde cette photo qui est magnifique. Mais c'est la pièce. C'est ta mère qui t'a élevée. Tu sais, Thomas, tu sais que j'ai connu ton père avec un léopard. Guépard. Un guépard. Mmh. On se promenait rue de Provence, il avait son guépard. Pas un chien. Ah oui, au lieu d'avoir un chien, il avait un guépard. Un guépard. Mais son père, c'est magnifique, son papa. Et un jour, je revois ta maman, je dis alors, elle me dit, en progrès. Merci, Françoise. Applaudissez, Thomas. Ah oui.
critique.